Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour le 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Trois pays, une vision. Le Mali, le Burkina et le Niger ont signé la charte du Liptako-Gourma le 16 septembre 2023, à la veille de la date anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel. Le chef de l'État malien, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, s'adresse au peuple des pays membres. L'intégralité du discours du président Assimi Goïta est à suivre en début d'édition. Une délégation gouvernementale conduite par deux ministres d'État a échangé avec les forces de défense et de sécurité et les forces vives des régions du plateau central et du centre nord. Porteuse d'un message d'encouragement du président du Faso, la délégation a invité les combattants et les populations à plus d'union dans la lutte pour la restauration de l'intégrité du territoire national. Veillée de prière à Ouagadougou, Bobo Dioulasso et dans toutes les régions du pays, sous le leadership des guides spirituels, les musulmans ont célébré la naissance du prophète Mohamed, une célébration marquée par des prêches et sermons sur la vie du prophète et la paix au Faso. Une nouvelle page de l'histoire du Burkina, du Mali et du Niger s'est ouverte le 16 septembre 2023 avec la création de l'Alliance des États du Sahel. En plus d'être une architecture de défense collective, les trois pays signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir l'indépendance, la dignité et l'émancipation économique des peuples de l'AES. À quelques heures de la date anniversaire de la signature de la charte du Liptako-Gourma, le président en exercice de la Confédération AES livre un message à l'ensemble des citoyens des pays membres. Je vous invite à écouter l'intégralité du discours du président Assimi Goïta. Chère population de la Confédération des États du Sahel, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fraternité que je m'adresse à vous en ces jours de commémoration de la date qui a changé le cours de notre histoire commune. Il y a un an, avec mes frères Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef d'État du Niger. Nous avons pris une décision résolue, franchir une étape historique dans la consolidation des relations fraternelles qui lient nos trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 16 septembre 2023, nous avons adopté la charte du Liptako-Gourma, donnant naissance à l'Alliance des États du Sahel. Cet acte fondateur marque une nouvelle ère géopolitique dans la région, instaurant un mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle afin de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et de lutter contre la criminalité organisée qui mine nos sociétés. Grâce à cette alliance stratégique, nos forces de défense et de sécurité ont enregistré d'importantes victoires sur le terrain, affaiblissant considérablement les groupes armés terroristes. Elles continuent avec abnégation le processus d'établissement de la souveraineté de nos États sur l'ensemble de leur territoire. Ces avancées significatives ont renforcé notre détermination à aller encore plus loin. Chère population de la Confédération des États du Sahel, nous avons franchi une nouvelle étape dans l'histoire de nos trois nations. En effet, le 6 juillet 2024, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, nous avons signé le traité instituant
la Confédération des États du Sahel. Ces traités marquent notre engagement irréversible vers l'intégration de nos États et de nos populations, avec une vision partagée de fraternité, de solidarité et de complémentarité. Avec la Confédération, nous avons pris la décision stratégique d'élargir notre coopération à deux autres piliers essentiels, la diplomatie et le développement. Loin d'être un choix fortuit, cette orientation découle de notre volonté de bâtir une union politique forte, ancrée dans la paix, la sécurité, le développement durable, et permettant d'agir de manière coordonnée sur la scène internationale. La célébration de ce premier anniversaire de l'Alliance est l'occasion de faire le point sur le chemin parcouru. Dans le domaine sécuritaire, nos forces armées ont relevé des défis majeurs face à des adversaires soutenus par des États tiers, à l'image de l'Ukraine qui a ouvertement choisi de se ranger du côté du terrorisme au Sahel. Nous continuons de lutter sans relâche contre toutes les formes de terrorisme et pour défendre l'intégrité de nos territoires et notre souveraineté. Chères populations de la Confédération des États du Sahel, dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant le principe de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AS qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Le Sahel est riche de ressources naturelles et de potentialités inexploitées. Nous nous engageons à investir dans des projets structurants et intégrateurs qui favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et l'accès aux services sociaux de base pour tous nos citoyens. Nous portons une attention particulière à la jeunesse et aux femmes, véritables moteurs de notre développement. Leur dynamisme et leur créativité sont des atouts majeurs pour l'avenir de la Confédération. Je tiens également à saluer nos diasporas qui, par leur engagement et leur soutien indéfectible, constituent un levier solide pour l'AIS. Chères populations de la Confédération des États du Sahel, le chemin parcouru est encourageant. Les succès enregistrés dans le domaine de la défense et de la sécurité sont indéniables et ont permis d'élargir notre coopération à d'autres secteurs clés. Nous travaillons désormais à renforcer notre intégration économique et sociale en favorisant la libre circulation des biens, des services et des personnes. Nos économies sont complémentaires, mais elles font face à des défis. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de mutualiser nos efforts dans des domaines stratégiques tels que les investissements, la fiscalité et l'exploitation des ressources naturelles. La création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation est en cours et nous nous attellerons à mettre en place les infrastructures pour renforcer la connectivité de nos territoires à travers les moyens de transport, les réseaux de communication et les technologies de l'information.
Dans les jours qui suivent, il sera mis en circulation un nouveau passeport biométrique de l'AIS dans le but d'harmoniser les documents de voyage dans notre espace commun et de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde. Des projets culturels, sportifs et éducatifs sont également en cours pour renforcer l'unité de nos peuples. La création d'une chaîne d'information commune est également prévue afin de promouvoir une diffusion harmonieuse des informations dans nos trois États. Chères populations de la Confédération des États du Sahel, nous réaffirmons aujourd'hui notre volonté de consolider chaque jour les liens de coopération, d'intégration et de solidarité entre nos populations et d'œuvrer ensemble pour que le Sahel devienne un espace de paix, d'entente et de prospérité. Je voudrais donc vous exhorter à vous investir davantage pour la réussite de la Confédération, à soutenir les actions des États et à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera notre avenir commun. Ensemble, nous ferons de la Confédération des États du Sahel un modèle d'intégration et de développement pour toute l'Afrique. Vive la Confédération des États du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples et que la paix et le progrès rayonnent sur notre région. Je vous remercie. Et à l'occasion de la célébration de l'an 1 de l'AES, nous vous proposons de revenir sur la signature de la charte du Liptako Gourma qui a consacré la naissance de l'AES. Que disent les articles les plus importants de cette charte? Des éléments de réponse avec Jacques Lamissa Tarpaga. L'idée d'une union entre les États du Sahel dans sa forme actuelle germe dès les premiers mois de 2023. La proposition est faite au Mali par le Premier ministre du Burkina Faso, Maître Apollinaire Joachim Sion Kelem de Tambela, qui propose la mise en place d'une fédération en vue de répondre aux aspirations des deux peuples. Les menaces de la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger suite au coup d'État du 26 juillet 2023, doublées des sanctions économiques et politiques pesant déjà sur les deux autres pays, font accélérer les choses. Les trois chefs d'État, Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tchiani du Niger s'unissent pour dénoncer avec véhémence les décisions de l'organisation sous-régionale dont ils sont jusque-là membres. Moins de deux mois plus tard, le 16 septembre 2023, naît l'Alliance des États du Sahel à travers une charte baptisée « Charte du Liptako Gourma ». Dès lors, les trois pays affirment leur volonté de mutualiser leurs forces contre toute forme de menace. Guidés par les valeurs de solidarité, de fraternité et d'amitié, engagés à renforcer les liens séculaires entre leurs peuples, déterminés à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale, les États établissent à travers ce document l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle avec en ligne de mire le combat sans relâche contre le terrorisme. La charte du Liptako Gourma prévoit également la gestion et le règlement des rébellions armées ou toute menace contre l'intégrité territoriale et la souveraineté d'un État parti par la voie pacifique et diplomatique, mais par l'usage de la force en cas de nécessité. L'Alliance va plus loin en affirmant que toute atteinte à un membre est considérée comme une agression contre tout le groupe. Un code d'honneur régit les relations entre les États membres. Ils devront s'abstenir de se menacer ou s'agresser entre eux. Ils s'engagent aussi à ne pas se faire de blocus sur les voies et moyens de communication. L'AES, dans sa vision d'une Afrique unie et forte, reste ouverte à tout nouvel adhérent pour peu que ces derniers partagent les mêmes réalités et épousent les mêmes objectifs que les membres fondateurs. La charte du Liptako Gourma jette ainsi les bases d'un traité qui va consacrer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, adoptée le 6 juillet 2024 à Niamey, au Niger.
Voilà, vous le savez déjà, lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel tenu le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger, les chefs d'État ont décidé de la création de la Confédération des États du Sahel. La Confédération AES s'appuie sur trois volets essentiels, la défense, la diplomatie et le développement. Retour sur les grandes décisions du premier sommet de l'AES avec Wendiam Achille Kabore. Ce qui était un projet de texte en mai 2024 est devenu une réalité le 6 juillet dernier lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Les États membres de l'AES, dans une synergie de lutte contre le terrorisme, décident de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée. À cet effet, ils ont adopté le traité instituant la confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, dénommée Confédération des États du Sahel, en abrégé AES. La Confédération de l'AES, c'est une force unifiée contre les groupes armés terroristes, la criminalité transnationale organisée et les autres menaces auxquelles les pays membres font face. La Confédération de l'AES, c'est une coordination de l'action diplomatique. La Confédération de l'AES, c'est une synergie d'action face aux questions de développement. Les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et transformation industrielle, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, la libre circulation des personnes et des biens, l'économie numérique. Pour y parvenir, les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina décident de doter la Confédération d'instruments propres pour le financement de la politique économique et sociale de l'Alliance. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement AES et de la mise en place d'un fonds de stabilisation. Ils ont en effet instruit les ministres en charge des affaires étrangères et ceux en charge du développement de prendre des dispositions pour leur opérationnalisation. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, ambitionne de créer une union économique et monétaire et une monnaie commune. L'ambition de ces États est de parvenir à la fédération. Depuis le 6 juillet 2024, c'est le président de la République du Mali, Assimi Goïta, qui assure la présidence de la Confédération et ce pour une année. Les mots d'encouragement du chef de l'État burkinabé aux forces combattantes de la région du Centre-Nord. Le message est transmis par une équipe ministérielle composée de 4 membres. Après les mots de félicitations et de remerciements, le général Kassoum Koulibaly, chef de délégation, a attiré l'attention des forces de défense et de sécurité sur les campagnes de désinformation et les complots de toute nature. Le reportage avec Martin Ouédraogo et Jacques Ouédraogo. À bâton rompu, le général de brigade Kassoum Koulibaly échange avec les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, est porteur d'un message du chef de l'État à l'endroit de ces hommes et femmes déployés sur le théâtre des opérations pour la restauration de l'intégrité du territoire national. Le chef de l'État remercie et félicite tout le monde pour le travail qui est déjà abattu et particulièrement pour cette zone. En venant ce matin, on a vu toute une longue file de camions. On dit que ça, c'est les FDI qui devront travailler pour que ça puisse continuer là où ça va partir. Vous avez les encouragements et les félicitations à bien mener ce boulot-là, pour que ceux qui ont des problèmes d'approvisionnement quelque part, que nous puissions les accompagner à chaque fois que possible. Évoquant le cas de la situation nationale du pays et surtout l'attaque lâche et barbare survenue à Barsalgo, le ministre de la Défense appelle ses hommes à se départir de toute action de complot et de désinformation. Attention à la manipulation, attention à la désinformation. Nous faisons bloc, le pays a pris un chemin de souveraineté, d'indépendance totale. Peut-être parmi certains, nous, ça ne plaît pas. Peut-être ça ne plaît pas à certains voisins, ça ne plaît pas à certains pays. Mais ce que nous cherchons, c'est la souveraineté pour que ce pays-là soit vraiment libre
et que nos populations se trouvent dans de meilleures conditions. Qu'on se dise qu'avec cette voie-là, personne ne viendra nous aider. Nous comptons sur personne, comptons sur nous-mêmes. Libérons notre génie créateur pour que notre pays là soit sécurisé, pour que les populations qui attendent de nous des actions concrètes retrouvent cela. Pour ce faire, l'utilisation du portable Android est désormais interdite sur le théâtre des opérations, rassure le général de brigade. Il invite par ailleurs ses combattants à plus de sacrifices et de faire valoir surtout leurs capacités militaires en n'hésitant pas à effectuer des déplacements à pied quand les conditions du terrain le recommandent. La délégation gouvernementale présente à Kaya a également échangé avec les forces vives de la région du Centre-Nord. Principale question abordée, la sécurité et la lutte contre les groupes armés terroristes. Les préoccupations des populations ont également porté sur des questions en lien avec la santé, l'éducation, les infrastructures et l'agriculture. Des détails avec Martin Ouédraogo et Jacques Ouédraogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants s'adresse aux forces vives de la région du Centre-Nord. Dès l'entame des échanges, le général de brigade s'est directement attaqué à la désinformation autour du drame de Barsalgo et appelle les populations du Centre-Nord à savoir raison garder. Les réseaux sociaux, ça ne nous arrangera pas du tout. Il y a un problème. Il y a des voies qui sont prévues par les chefferies traditionnelles, les voies administratives. Il faut régler et s'informer. Le cas de Barsalgo, c'est pareil. Quelqu'un avait témoigné, il dit qu'il était là-bas, tout. On l'a amené devant le chef. Il a dit sa vérité n'était pas là-bas. Il saute deux sorts. D'autres gens viennent encore dire non, ce qu'il a dit là, c'est parce que les militaires l'ont forcé à dire ça. Vous aussi. Ah, on est dans quel pays? On gagne quoi dans ça? Rien. Les militaires ne gagnent rien dans ça. C'est aller à la vérité. Le gars sait ce qu'il a fait. S'il était là-bas, là, ce qu'il a dit, ce n'est pas évident. Ce qu'il a dit, il a reconnu que ce qu'il a dit n'était faux. Mais quand d'autres gens, des Burkinabés, peut-être dedans, contrairement que non, on l'a amené à faire. Non, ce n'est pas possible. On pleure ceux qui sont morts. On ne va pas mentir sur le dos des gens qui sont sur terre. L'acquisition de l'armement, la coopération sur le plan diplomatique, la santé, l'agriculture et les infrastructures. Voilà entre autres les principaux points sur lesquels ont porté les échanges entre la délégation gouvernementale et les forces vives de la région du Centre-Nord. Le bien fondé de la politique gouvernementale actuelle a été une fois de plus expliqué de long en large à ses populations. Beaucoup de projets sont faits par le gouvernement, le chef de l'État et essentiellement dans le domaine de la sécurité, comme je l'ai dit. Ensuite, dans les autres domaines, notamment agriculture, élevage, les différents types de projets de communication, santé, infrastructure, l'État essaie de faire le mieux. Mais de grâce, il ne faut pas qu'on se dise que l'État fera faire tout à tout moment. On a fait le tour, ça ressort, mais ce qui est sûr, les contributions que vous faites, ce qui rentre et reçu par le compte du budget, les dépenses seront toujours transparentes à vous montrer que si un franc d'un Burkinabé a été cotisé ou retenu quelque part, voilà ce à quoi ça servit. Le carburant seulement pour faire l'ensemble de cette couverture de drones, ça vend au moins entre 15 à 20 millions par jour. Une seule munition que vous voyez à la télé là pour le drone, le prix va de 30 millions à au moins 55 millions. Ça, c'est l'effort qui est fait et qu'on vous dit. Cette démarche gouvernementale a été bien appréciée par les forces vives de la région du Centre-Nord. Ces populations renouvellent ici leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré. Elles rassurent le gouvernement que malgré les récents événements, le peuple de Burkina Faso reste toujours debout derrière son président. Nous sommes très contents avec cette démarche du gouvernement car c'est la première fois que nous avons des échanges francs et directs avec nos dirigeants. Au temps des politiques, lors de ce genre de rencontres, les intervenants et les différentes questions étaient bien orientés. Mais aujourd'hui, nous constatons que chacun s'exprime librement et nous saluons cette transparence. Et souvent, il y a des gens qui ont fait 20 ans là-bas, tu ne m'as pas pour l'emmener.
Les populations du centre-nord ont saisi cette grande opportunité de proximité pour faire part de leurs doléances à la délégation gouvernementale ainsi que leurs recommandations. Il s'agit entre autres des investigations sur le drame de Balsalgo afin de situer les responsabilités et prendre des mesures qui sied. Ces hommes et femmes suggèrent aussi la multiplication des campagnes de sensibilisation sur la désinformation et enfin l'organisation et la sécurisation des stationnements des camions dans la ville de Kaya avant les différents convois. Les émissaires du chef de l'État se sont également entretenus avec les forces de défense et de sécurité, de même que les forces vives de la région du plateau central. L'union dans l'action contre les groupes terroristes, c'est l'essence du message que le chef de la délégation ministérielle a adressé aux forces combattantes et aux populations. Des détails avec Jérôme Tendano. Des forces distinctes, mais unis dans un même élan pour protéger la région du plateau central. Ils sont ici félicités par le ministre d'État en charge de la Défense, le général Kassoum Koulibaly, messager du président du FASO. Est-ce surtout au service des populations? Les échanges sont directs, sans filtre, ni tabou. Le tandem FDS-VDP est efficace contre l'ennemi. L'unité, la vigilance et le patriotisme des combattants mettent en échec les plans des déstabilisateurs. Tel dans une famille, il faut renforcer cette complémentarité entre défenseurs de la nation, recommande le chef de la délégation gouvernementale. Que ce soit eau, forêt, VDP, Védouane, sapeurs-pompiers, on accepte que nous sommes les mêmes d'abord. Attention aux vendeurs d'illusions et aux pièges des réseaux sociaux, lance tout de même le général Kassoum Koulibaly avant de rejoindre l'ensemble des corps constitués du plateau central dans cette salle comble du conseil régional. À la tribune, les intervenants se succèdent. Nabas Tanim Désignari appelle chaque citoyen au Burkinlim, au patriotisme. Les investissements structurants dans les différents domaines, la détermination du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour une véritable souveraineté du Burkina Faso, ainsi que le sens d'écoute du gouvernement sont reconnus. Les membres du gouvernement, pour leur part, saluent la mobilisation et le soutien des forces vives du plateau central. C'est un véritable instant de communion ici dans la cité de Naba Oubri. Si vous avez remarqué dans la salle, il n'y a eu que plus d'encouragement, de félicitations et d'appréciation. Et nous, nous sommes fiers. Nous avons ensemble, de toutes les couches différentes, témoigné à ce gouvernement que nous sommes toujours là et nous faisons à chacun en ce qui le concerne pour que nous puissions avoir la liberté totale et libérer entièrement notre pays. Pour la délégation gouvernementale, c'est un pari gagné. Et l'heure est surtout à l'union des forces pour construire le Burkina de demain. Ce que nous voulons, c'est que les gens ne s'intéressent qu'à l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est le meilleur devenir de notre Burkina Faso, c'est l'ensemble des Burkinabés. Sans distinction, sans considération quelconque. Et que tout le monde se sente concerné par ce qui est mené actuellement sur le terrain. Des doléances sont également formulées dans le sens de renforcer la résilience du plateau central et ainsi booster son développement. Les émissaires du président du Faso prennent bonne note tout en réitérant l'engagement du gouvernement à toujours impliquer les populations dans la recherche de solutions idoines. À Bobo-Dioulasso, la coalition des femmes patriotes et le collectif Sababounouma, deux organisations de la société civile, ont tenu hier un meeting de soutien au président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Elles ont réaffirmé leur adhésion au combat et à la vision du chef de l'État et invité leurs militants à œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et le développement. Kassoum Milougo, Salam Dabal. C'est une mobilisation des grands jours ici, à Bobo-Dioulasso. Une centaine de femmes issues de plusieurs organisations de la société civile des Hauts-Bassins réaffirment une nouvelle fois leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Cette journée de soutien est également le lieu pour ces femmes d'appeler à l'union des fils et filles du Burkina au regard du contexte difficile que traverse le pays. Sous sa direction, nous avons vu des
actions significatives qui visent à redresser notre pays et à renforcer notre autonomie. Ces initiatives exercent sur la reconstruction et le progrès nous inspirent et nous motivent en tant que femmes patriotes. Nous nous retrouvons sous le thème « Femmes des hauts bassins, ensemble pour un avenir radieux, soutien au leadership et au développement du Burkina Faso ». Ce thème choisi avec soin résonne comme un appel à l'unité, à la solidarité et à l'action. Leur détermination, leur forte mobilisation et leur soutien sans faille à l'endroit du chef de l'État sont ici vivement appréciés par l'autorité. C'est aussi le lieu, en tout cas, de dire haut et fort que c'est le départ d'une action de promotion de la cohésion sociale. Ce meeting de soutien à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement a vu la participation de plusieurs autorités administratives, coutumières et religieuses, militaires et paramilitaires de la ville de Bobo-Dioulasso. Tous appellent au retour de la paix et de la stabilité au Burkina Faso. Témoignage de soutien également à Kilouin, un quartier de la ville de Ouagadougou, à l'occasion de l'inauguration du rond-point de la veille citoyenne du dit quartier. Les actions du gouvernement dans le domaine de la sécurité et de l'affirmation de la souveraineté ont été saluées. L'inauguration du rond-point avec Rasmane Zundi et Romial Patrice Toé. L'hymne national à langue morée pour commencer cette cérémonie d'inauguration du rond-point de la veille citoyenne de Kilouin. Nous sommes dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Les membres de la veille citoyenne de cet arrondissement ont décidé de s'organiser pour la construction de cette place symbolique. Une place dénommée rond-point du 6 janvier, Yembe de Same. On sentait l'engouement du quartier, mais pour mieux coordonner, il faut trouver un point de référence. Ce point de référence, on s'est entendu ramasser les pneus, venir fixer et puis en même temps fabriquer le rond-point le jour du 6 janvier. Et c'est ainsi qu'il a porté le nom 6 janvier, Yembe de Same. Yembe de Same, si vous repartez au niveau de l'hymne national, le détonné du Burkina Faso, vous allez le retrouver là. Et ça veut dire que l'esclavage est fini, le néocolonialisme est fini. Plusieurs organisations de la société civile ont répondu présente à cette cérémonie d'inauguration, une occasion pour ces dernières de sonner le rassemblement autour des idéaux de la transition. Nous avons vu l'inauguration de leur rond-point, une initiative qui rentre dans le cadre du développement communautaire, puisque le rond-point d'abord permet même aux usagers de pouvoir éviter les accidents. Tout d'abord, et encore encourage les jeunes du quartier de comprendre davantage la vision et le patriotisme du président. Les membres de la veille citoyenne de Kilouin ont profité de cette occasion pour organiser une opération de plantation d'armes. Une opération qui s'est déroulée dans plusieurs structures sociales de l'arrondissement de la capitale burkinabé. L'actualité au Burkina Faso, c'est également la célébration du Mauloud dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les musulmans se sont réunis pour des prières dites à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammed à la place de la nation, lieu de rassemblement de la communauté musulmane. La paix et la cohésion sociale étaient au cœur de toutes les intentions. Rasmane Zundi, Amadou Marcel Tau. À l'appel de la communauté musulmane de Burkina Faso, les fidèles mobilisés à la place de la nation pour célébrer le Mauloud 2024. Ponctués par des lectures de Coran, des invocations et autres prêches, face à l'assemblée, le grand imam de Ouagadougou pour le grand doigt de la nuit. À cette célébration de la naissance du prophète Mohammed, toutes les prières renvoient à la paix et à la cohésion sociale. Quand tu es croyant, il faut être engagé pour tout ce qui concerne notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La prière pour la paix, c'est ce que le religieux doit faire et c'est ce qu'on fait. On va continuer de le faire. Inch'Allah, notre pays aura la paix. Une célébration à l'épreuve de la pluie. Une consécration, diront les fidèles, venus d'un peu partout de la ville de Ouagadougou. Et d'ailleurs,
Le prophète a dit que si vous prêchez et que soudainement il y a la pluie, c'est un bon signe, c'est une bénédiction pour tout le monde. Moi, on est venu prier vraiment, c'est la paix qu'on veut vraiment. S'il y a la paix, tout, Inch'Allah, ça va aller. Et vraiment, je prie Dieu vraiment que cette année soit mon année pour avoir un bon mari. Surtout, lui qui croit à Dieu, quoi. Voilà, c'est tout ça aussi. Dépêchés par le gouvernement, des ministres et autres autorités sont aussi présents. Au-delà de leurs obligations religieuses, ils sont porteurs d'un message du président du Faso. Un message d'union face à la situation sécuritaire. Il a demandé à ce que, à tout moment, que les gens soient solidaires, que les gens resserrent les rangs et que les gens unifient davantage leur intelligence pour qu'on puisse atteindre l'objectif ultime qui est la libération de notre territoire de l'île terroriste. Autre fait marquant du Maulud 2024 de la communauté musulmane du Burkina Faso, c'est la conférence publique sur les défis sécuritaires, avec des échanges portés sur la contribution des oulémas. À Nagrin, dans la capitale burkinabé, les voix de la communauté Tidjania se sont élevées vers le ciel pour bénir le nom du prophète et prier pour la paix au Burkina. Les prêches des guides religieux ont porté sur l'importance de la prédication dans la réforme des personnes et des pays. Des détails avec Sayouba Souré et Issia Kanana. Quartier Nagrin de la ville de Ouagadougou, lieu de convergence de ces fidèles musulmans venus de tous les pays et d'ailleurs. Autour du docteur Cheikh Alidou Sana, sous cette fine pluie, il commémore ici le Mouloud ou la naissance du prophète Mahomet. Des moments de rappel sur la vie du prophète de l'islam et surtout des valeurs et des principes de la religion musulmane. La célébration de la naissance du prophète est une interpellation pour nous les musulmans. Une invite à suivre son exemple pour la paix dans le monde. C'est une obligation pour nous de rappeler à chacun la vie sociale du prophète envers ses compagnons, ses frères musulmans et non musulmans. L'islam, une religion de paix, d'amour du prochain et de cohésion sociale, rappelle ici Dr Cheikh Alidou Sana. Entre lecture du Saint-Coran, prêche, invocation et louange à Allah, sur la tribune, les guides religieux se succèdent. Tous appellent à l'union et à l'entente de tous les fils et filles de la nation pour construire ensemble leur maison commune, le Burkina Faso. N'acceptez pas que quelqu'un vous utilise pour détruire notre pays. Ne bafouez pas notre dignité à cause de l'argent. Celui qui le fait sera maudit par la population et la terre de nos ancêtres. Que Dieu protège le Burkina Faso. La célébration du Mouloud est une tradition qui se perpétue entre Dr Cheikh Alidou Sana et ses fidèles musulmans depuis près d'une vingtaine d'années. Occasion pour le guide religieux de traduire toute sa reconnaissance à ses fidèles pour la bonne conduite de la célébration. Honorer le prophète, suivre ses enseignements et obéir à ses préceptes, ce sont entre autres les orientations données par les guides spirituels lors de la célébration du Mouloud à Bobo-Dioulasso. Mobilisés dans les différents lieux de prière, les fidèles ont imploré Allah pour le retour de la sécurité et de la paix au Burkina Faso. Le point donc avec Ali Traoré. L'esplanade du stade Aboubakar Général Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. Les fidèles musulmans avec en tête Abdoulaye Boro prennent d'assaut cet espace pour une bonne cause. La commémoration de la naissance du prophète de l'islam. C'est une occasion pour se rappeler la vie de cet homme qui aura été un exemple pour l'humanité. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit qu'il a été envoyé pour établir la paix et la justice à travers la promotion des bons comportements. Il a aussi invité leurs compagnons à ne pas trahir la confiance du prochain et de Dieu. Ces mêmes valeurs sont rappelées ici à Wenzéville par le Cheikh Aboubakar Zoromé et à Kolma par le guide spirituel
Mohamed Dramé. Pour ces derniers, la vie et les enseignements du prophète sont la clé pour un monde de paix et de justice. Le prophète Mohammed a été envoyé comme une miséricorde à toute l'humanité. Il est un exemple et tout le monde devrait s'en inspirer. Mohammed a aimé son pays et il nous a incité tout un chacun à aller dans ce sens. Au regard de cet enseignement, j'exhorte la jeunesse et toute la population à aimer le Burkina Faso et à le protéger. La réussite d'un homme, d'une nation, réside à sa manière de se comporter. Un bon comportement permet d'établir la paix et la justice. Au cours de cette soirée, des bénédictions ont été formulées à l'endroit du Burkina Faso et des autorités actuelles. Nous demandons à Dieu de nous accorder l'amour de la patrie, car c'est une preuve de foi. Le président Ibrahim Traoré est en train de sacrifier sa jeunesse pour cette patrie, et nous devons en faire autant, car nous n'avons d'autre pays que le Burkina Faso. Demander en même temps à Dieu de donner la paix pour notre pays. La commémoration du Mauloud, au-delà de l'aspect festif, est donc un véritable cadre d'enseignement pour les fidèles musulmans. Autre point de l'actualité, initiative LAFIA, c'est la dénomination d'un nouveau projet mis en place par le gouvernement au profit des couches défavorisées. Elle consiste à accompagner les ménages vulnérables avec des microcrédits pour faciliter leur autonomisation. La cérémonie de mise en route de l'initiative avec Karim Ilboudo et Alidou Alain Sabadogo. Autonomisation économique des personnes vulnérables, le ministre de l'Économie et des Finances lance l'initiative LAFIA dans la région du Nord. C'est un projet mis en œuvre pour promouvoir le développement socio-économique à travers des microcrédits pour des personnes vulnérables. L'initiative LAFIA va couvrir le territoire national et vise une réduction significative de la pauvreté au Burkina. L'initiative a été lancée dans le but d'accompagner les personnes vulnérables, dont la vulnérabilité est encore accentuée avec la crise sécuritaire. Donc l'État, dans ses actions de développement, s'est dit qu'il faut accompagner ces personnes pour renforcer leur résilience et également pour accompagner leur insertion. Il est prévu 4 cycles de financement à hauteur de 100 000 pour le premier cycle, 200 000 pour le second, 300 000 pour le troisième et 500 000 pour le quatrième. Le projet à pro principal cible les couches sociales défavorisées. 100 000 ménages vont bénéficier de cet appui en microcrédit pour leur autonomisation économique. Il y a un organe qui est le comité de prêt du FONAFI qui a analysé les dossiers en fonction du profil de risque des bénéficiaires, mais surtout de la couverture géographique. Parce que l'objectif, c'était d'impacter les ménages vulnérables qui sont dans les situations les plus reculées. Et nous avons privilégié les PSF qui ont par exemple des agences, des guichets dans les zones reculées pour pouvoir toucher les personnes vulnérables. Nous comptons donc déployer nos agents sur le terrain pour la mise en œuvre de ce projet, des agents qui maîtrisent bien les réalités locales. Et nous allons donc travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les organisations communautaires et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet-là. Nous allons offrir des formations d'éducation financière à ces personnes-là et nous assurons également un suivi régulier des activités. L'initiative LAFIA est financée par le FONAFI, Fonds national de la finance inclusive, à 10 milliards de francs CFA pour une durée de 2 ans. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 21h30 pour l'émission Question majeure. Question majeure qui s'intéresse ce soir à l'an 1 de la création de l'Alliance des États du Sahel. Restez donc à notre compagnie.